Bonjour et bienvenue les amis, merci de m'accueillir chez vous pour le tirage de la semaine du 5 au 11 août 2024. On y va directement avec les breloques. J'espère que vous allez bien, que la semaine s'est bien passée et que celle-ci sera mieux. Allez, alors je vous rappelle, finance, état d'esprit, santé, bien-être, vie sociale, conseil, foyer, carrière, amour. Ok les amis, bon, je crois que j'ai tout mis. Non, j'ai pas du tout tout mis. Oh, mince! Mince! Dans mon état d'esprit, voilà que je n'ai plus rien. Ok. Vous semblez avoir entendu du bruit. Allez, un petit Lenormand, une carte du petit Lenormand sur chaque domaine. Voilà. Et une carte du tarot. Ok, semi. On y va. Alors, commence avec les finances, d'accord, comme d'hab. Nous avons ici le lys. Le roi d'épée, donc on est quand même dans des, dans de l'administratif, dans la loi, dans des papiers, dans des paperasses, banque, banquier, décision de justice, décision administrative, finance, j'ai ici un emprisonnement, peut-être pas pour vous, mais j'ai un emprisonnement ou quelque chose qui fait penser à ça, donc une personne qui va se faire attraper, alors ça peut dire beaucoup de choses, hein. Une personne qui va se faire attraper parce qu'elle a volé par exemple, mais aussi il s'agit ici peut-être de manipulation, donc une personne qui vous tient, une personne qui vous manipule. Une personne qui vous manipule avec l'argent ou une personne qui vous aide et vous, vous avez besoin ou voilà, parce que quand on nous aide financièrement, on se laisse faire souvent par la personne qui nous aide parce qu'on est redevable, on se sent redevable en fait. Mais sinon, j'ai aussi... Alors, il est possible aussi que ce soit un accord ici, un accord que l'on va faire par rapport à un bien, par rapport à quelque chose donc qui vaut de l'argent. Il y a un accord qui va être fait, donc, mais ça veut dire qu'on va quand même être tenu. Donc, peut-être qu'il y a un accord de crédit, parce que j'ai quand même ici la paix. Donc, peut-être qu'il va y avoir un accord d'un crédit, d'un plan d'apurement, voilà. Et, mais vous allez être tenu vraiment à respecter cette règle-là pour pouvoir évoluer et pour pouvoir faire fonctionner ce plan d'apurement, par exemple.
Donc il ne faut pas faillir, il ne faut pas passer un mois de paiement, etc. J'ai cette notion d'obligation pour pouvoir s'en sortir. Mais sinon, on est aussi maître dans l'aspect matériel, l'aspect financier. Donc vous pourriez reprendre les rênes, vous pouvez avoir des pouvoirs financiers et des prises de décision. C'est vous qui allez prendre des décisions dorénavant. Vous en aurez le pouvoir, vous en aurez la puissance, vous en aurez les moyens. J'ai ici un moment ensemble. Alors, c'est peut-être avec la famille, avec les amis, pas avec les amis, ou alors, peut-être, mais surtout avec la famille, avec son partenaire, avec les enfants. J'ai cette notion de tranquillité, de repos. De repos, de paix, de se mettre au vert, d'aller à la plage, j'ai cette bienveillance, j'ai cette protection. Vous protégez quelqu'un ou on vous protège, mais c'est comme si, on va dire, vous êtes parents ou grands-parents et que vous allez avec les petits-enfants, les enfants. Et c'est vraiment un bonheur familial. Alors j'ai l'air d'une bonbonne qui va exploser là. Alors, nous avons notre ange gardien. Donc, je pense qu'il y a des vœux qui vont être réalisés vraiment ici dans l'aspect matériel, l'aspect financier. Des vœux vont être réalisés. Nous avons vraiment l'ange gardien ici. Et on a quelque chose à nous faire plaisir. Parce que on ne vous aura pas oublié parce que il y a cette notion de fidélité, d'amitié qui est ici. J'ai l'amour aussi, mais cette notion d'amitié, de fidélité et d'aspect matériel. J'ai un beau cadeau. Alors là, j'ai un beau cadeau, j'ai même un cadeau qui pourrait être très, très cher. Très cher. Et puis, j'ai ce côté amoureux, amoureux et financier. Donc, on choisit, alors oui, on pourrait faire des choix qui pourraient être assez coûteux. Peut-être on va aller acheter des bibelots pour la maison que l'on est en train de faire construire, j'invente, que l'on va acheter ou on va déménager. Mais il y a des choses qui se concrétisent, qui se mettent en place. Et ouais. J'ai quand même quelque chose de beau. Cette semaine, dans l'aspect vraiment l'aspect finance, j'ai vraiment quelque chose, un beau cadeau, quelque chose de beau. Il y a une transformation. Non, ce n'est pas une transformation. Ben, oui. J'ai cet aspect. On me dit. Quelque chose comme si c'était magique, qui est en rapport avec l'argent et l'état d'esprit. C'est Oscar qui est dans son panier et qui va le déchirer. Alors, non, il joue. Il y a quelque chose qui va changer. Notre état d'esprit par rapport aux finances, on va voir les choses sous un autre angle, on va évoluer, mais il y a une sorte de magie. Il y a quelque chose de magique. Alors, on va peut-être faire des rituels, on a peut-être travaillé des énergies, et puis boum, ça se réalise. Il y a cet aspect matériel, cet aspect financier. Qui est très très positif et qui nous met donc dans un état d'esprit plus que joyeux. Oui, d'ailleurs, ici, on a le soleil. Oui. Donc, ici, on est vraiment dans un état d'esprit de bien-être. On évolue positivement ici. J'ai la famille.
Donc, cette semaine, la famille pourrait passer avant tout. La verge et le 9 de bâton. Donc, on protège un. Peut-être qu'il y aurait des conflits, des petites disputes ou des grosses disputes, mais vous êtes là, vous allez parer les coups, si les coups au sens figuré. Donc, vous allez pouvoir vous défendre si jamais on vous attaque. Voilà. Moi, vraiment, ici, vous allez pouvoir vous défendre. C'est peut-être. Je vais sortir mes breloques, je reviendrai après vers ça pour voir s'il n'y a pas autre chose. Bon, j'ai un voyage, j'ai un déplacement. J'ai un déplacement. Oui. Alors, on va aller voir de la famille. On va rencontrer quelqu'un de la famille ou on va voir des gens qu'on n'a jamais vus avant, qu'on n'a jamais rencontrés, mais qui sont de notre famille. J'ai le signe de la balance et le signe du Verseau ici. Nous allons aller dans un pays chaud ou lointain en tout cas. On pourrait aller assez loin. Revoir sa famille peut-être. Alors, peut-être qu'il y a des paroles blessantes. Ah oui. Peut-être qu'il y aura des paroles blessantes qui pourraient ne pas nous concerner, mais concerner un enfant. On pourrait dire quelque chose de méchant, mais qui concerne quelqu'un de plus faible. C'est quelque chose. Et là, on est sur la défensive, en tout cas, on est un peu épuisé à force de se battre par rapport à un enfant, par rapport à un enfant et quelque chose qui a été méchant, une méchanceté par rapport à un enfant. On se bat. Alors, ça peut être beaucoup de choses, hein, évidemment. Ça peut être. Oui. Une blessure, une coupure. Des soucis avec un enfant. Un enfant, et donc il y a. On est sur la défensive. Alors ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être une gardienne. On met un enfant dans une garderie. L'enfant est malmené. Dans une crèche, enfin, l'enfant est malmené. Ça peut être. On le met dans la famille et l'enfant n'est pas bien traité non plus. J'ai même une blessure, moi, ici. Hein. J'ai même une blessure. Bon, j'ai le cœur et j'ai la lame de rasoir. Donc, à vous, si vous voulez, d'être plus précis, précise. Mais ça veut dire, ça peut vouloir dire vraiment une blessure grave. Et donc, on ne lâche pas l'affaire. On va au bout du bout. Mais il y aura peut-être des déplacements effectués aussi pour ça. Oui. Alors, santé, bien-être. Ok.
le roi de denier, le poisson. Donc ici, on est de nouveau, on est bien dans sa tête, on est de nouveau, on maîtrise la situation, surtout la situation financière. On maîtrise vraiment cette situation matérielle, cette situation financière. J'ai un morceau de ma pierre qui s'est cassé. On est, alors si vous êtes indépendant, vous allez vraiment, vous allez pouvoir gérer les choses. Vous allez pouvoir gérer les choses. Vous pourrez vous installer dans votre fauteuil là de maître, dans votre, comment est-ce qu'on dit? Un grand fauteuil, trône. Vous allez pouvoir vous installer sur votre trône et gérer la situation. Si vous voulez être indépendant, vous allez vers la réussite. Vous allez vraiment vers la réussite. Oui, vous allez être guidé. Vous allez être guidé, vous avez votre ange gardien ou la personne ou quelque chose qui vous protège. Vous allez vraiment, vraiment ici, waouh, vraiment vers la réussite, surtout si vous êtes indépendant. On a aussi santé, bien-être, réussite par rapport à une addiction. Donc, peut-être une prise en charge, quelqu'un va prendre conscience et va se dire, bon, maintenant c'est bon, je vais me prendre en main et je vais me faire suivre, essayer de suivre un sevrage, par exemple. Tu viens après nous? Tu te prends? Non? Et il pleut, les amis, il pleut. J'ai un travail à la maison. Donc ici, j'ai un travail. Donc c'est positif si vous voulez travailler, mais c'est positif pour votre bien-être et votre mental et même votre physique. Donc vraiment, il y a des choses qui vont bien se passer. Donc on a ici du travail à l'extérieur, mais on a aussi un travail à la maison. On travaille de la maison. On peut travailler aussi pour un patron. Avec le roi de denier, c'est vraiment le patron d'une entreprise, par exemple. Et avec le poisson, ben, c'est justement le côté indépendant. Donc, ici, on est dans une évolution de travail et vous allez pouvoir choisir peut-être l'endroit où vous allez travailler. J'ai aussi, on se refait des... Oui, on se refait une beauté, là, les amis. On se refait une beauté parce que justement, vous allez voir des gens. On va revoir des gens. Alors, est-ce que par rapport au travail, moi, j'ai aussi des sorties, des rencontres. On est guidé hein, ici. On est guidé. On a vraiment notre ange gardien ici. Et là aussi. Donc, on a quand même notre ange gardien qui est vraiment, qui nous protège. On est dans les sorties, dans les rencontres. Donc on est beaucoup mieux parce qu'avant on n'avait pas envie de s'habiller, on n'avait pas envie de sortir du tout. Là on se sent mieux et on est une réconciliation où on trouve la paix. Waouh, on a la corne d'abondance ici. Donc on a l'abondance dans tous les domaines. Hydrache qu'on dit ici. Hydrache. Hydrache ça veut dire il pleut fort. Donc oui, on a l'abondance, on est vraiment dans une meilleure forme physique et une meilleure forme mentale. On a une sortie avec des enfants ou dans un lieu où il y a une foire, etc. Un parc d'attractions, ça s'appelle. Attendez, parce que ça... Un demi-franc français. Ah, ok. Alors, il y a une personne ici. Une personne qui n'est vraiment pas bien dans sa tête. Qui est en pleine déprime. Est-ce qu'on le sait ou est-ce qu'on ne le sait pas? Mais cette personne est dépressive. Cette personne n'en peut plus.
Donc voilà, essayez peut-être, si vous voyez quelqu'un qui est un petit peu au bout du rouleau, ne lui tournez pas le dos. Vraiment. Ça ne fait rien de parler un petit peu, un quart d'heure, et puis après la personne se sent mieux. Donc voilà. Mais on fait la fête, on fait une rencontre, on peut faire une rencontre aussi éventuellement, et on se sent bien. Peu importe, une rencontre amoureuse, une rencontre amicale, une rencontre de collègues, mais c'est positif. Il y a des sorties, donc il y a des organisations de sorties, etc. Alors, il y a un bloc. Non, 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 non. Je croyais que c'était le mont. Ce sont les nuages et tempérance. Ok, donc les nuages, tempérance. Les nuages, donc il y a des soucis, surtout avec la vie sociale ici, dans votre vie sociale, nous avons des soucis passagers. Ils ne font que passer, d'accord? On est vraiment dans des soucis passagers. Des soucis, peut-être, des disputes, des conflits. Avec des voisins, avec des amis, avec des collègues, la vie est vraiment sociale. Donc, on a peut-être des conflits où. Il n'y a pas une lune, moi, ici. J'ai la terre, mais j'ai pas la lune. Toutouille. Donc, j'ai une rencontre amoureuse avec quelqu'un de votre entourage, donc quelqu'un que vous connaissiez certainement ou quelqu'un qui vient de s'installer récemment. Donc on a une nouvelle relation, une relation amoureuse, une relation partagée. Et nous avons un petit souci par rapport à la vie sociale, effectivement, mais nous avons. On a tempérance qui vient vraiment nous rendre la sérénité. Donc, si cette semaine vous voyez qu'il y a des soucis, vous avez peur de conflits, n'envenimez pas les choses, laissez passer la semaine, ne répondez pas, c'est même parfois très difficile de ne pas répondre, mais ne répondez pas, ne vous tracassez pas, ça va passer. Donc, on pourrait aussi avoir des soucis amoureux, sentimentaux. Avec des amis, donc petite discussion, contrariété, ça va passer. Ayez confiance. On a le Sagittaire et le Capricorne ici. On a beaucoup d'émotions. On a beaucoup d'émotions. On a des émotions donc avec les voisins, avec quelqu'un qu'on va rencontrer dans la rue. Il y a quelque chose qui va nous émouvoir. Il drache encore plus. Et Oscar, t'oses pas sortir. Ah non, hein. Heureusement, sinon tu vas salir tout. On est quand même mieux en Espagne. Hein. Et pour les douleurs, surtout pour les douleurs. Mais bon, ça va quand même beaucoup mieux. Allez, on y va, les amis. Nous avons la clé. Nous allons avoir une réponse. Nous allons avoir une réponse par rapport à. Alors, c'est bizarre, j'ai comme si on allait avoir une réponse par rapport à un logement. Comment est-ce qu'on dit? Au logement social, HLM. Si on attend la réponse. Une réponse pour avoir un appartement, pour avoir une maison. On va avoir la clé, on a la clé. Donc on a ici la réponse que l'on attend enfin, peut-être, ou depuis longtemps, mais on a une réponse positive. Oui. Vous voyez, j'ai l'anneau ici. Donc j'ai l'anneau, j'ai les cœurs, j'ai l'amour, les sentiments, la passion, les relations. Donc on a ici, oui, on a vraiment ici une demande en mariage, une petite fête, je ne sais pas, mais une petite fête avec les amis, etc. Et donc, il y a quelque chose où juste on boit un verre, ou juste on est entre copains, on est au resto et puis on annonce une nouvelle, comme ça. On annonce, tiens, tu sais, au fait, ben, on va se marier. Et voilà, on a prévu de se marier l'année prochaine, ou on a prévu de se marier la semaine prochaine. Voilà.
Alors là, j'ai deux jeunes, moi, ici. J'ai un ado et une ado, un garçon et une fille, qui sont jeunes. Il y a peut-être une rencontre aussi amicale, garçon-fille, mais peut-être une relation amoureuse qui naît entre deux jeunes tourtereaux. Donc voilà, on est dans des échanges, donc on va parler avec des gens. On va parler avec des gens, on voyage, on va parler de voyage. On va vous demander pour certains ou certaines de vous occuper de l'animal de compagnie. Vaut mieux comme ça que d'aller le perdre. Ah, on crée quelque chose. On crée quelque chose en groupe. On est en train de créer quelque chose en groupe. Et là, j'ai comme si on créait une pièce de théâtre. Une danse, quelque chose comme ça. On est en train de créer quelque chose. Est-ce qu'on va y participer? Est-ce que vous allez aller voir? Mais c'est, je pense, c'est quelqu'un que vous connaissez qui va créer, qui va faire ça, la mise en scène. Quelqu'un qui va faire la représentation, ben, la personne qui a créé cette représentation-là, ben, vous connaissez, par exemple. Donc on a une sortie aussi. Je sais pas, ça me parle de théâtre, mais ça peut être aussi autre chose que du théâtre vraiment. Mais ça, c'est genre théâtre. Et donc, ouais, et c'est. J'allais dire, ce sera fait avec amour. Voilà. Alors, on a la chance ici, c'est le conseil. Ok. Vous allez avoir la chance de pouvoir être bien conseillé. Mais attention, réfléchissez quand même. Mais vous allez avoir la chance d'être bien conseillé. Nous avons des réparations. Attendez. Des réparations. Ah, il est possible qu'on se blesse en faisant du sport. Il est possible qu'il y ait une blessure. Ça ne va pas être grave, en principe. Je ris, mais. Donc, ici, nous avons notre papesse, l'impératrice, et la cigogne. On a. Donc, on a l'impératrice, on a la cigogne. Ok, donc là, il y a vraiment quelqu'un qui va vous donner un conseil. J'ai envie de dire, ce sera un bon conseil, mais la personne qui va vous donner ce conseil, ça peut être votre maman, parce que l'impératrice, c'est une maman aussi, ou une future maman, quand vous regardez la carte. Hein. Mais. J'ai la cigogne, donc moi j'ai vraiment cette notion maternelle, le côté maternel. Oui, ok, j'ai le côté paternel aussi, donc j'ai le côté parent, conseil par les parents, conseil pour les parents. Ah non, c'est pas celle-là. Je voulais voir si c'était la bonne clé, mais ce n'est pas celle-là. Alors, donc, on a un cadenas fermé. Donc, il y a des choses qui sont déjà acquises. Enfin, qui sont déjà, c'est acquis ou c'est déjà décidé. Il y a des choses qui ne changeront plus. Attention, c'est pas pour ça que c'est négatif, hein, du tout. Waouh, j'ai deux licornes. On est quand même dans ce monde. Féerique, la licorne là, elle était à cheval avec le foyer. Donc moi je pense que nous avons des énergies
enfantine, des énergies d'amour, de belles énergies, des énergies de chaleur, pas de chaleur, parce qu'il y a du soleil, il y a de chaleur humaine, de chaleur amie, une chaleur, quoi. Une chaleur, quand on a des amis, on se sent bien. Oui, et j'ai cette notion famille, avec le foyer ici, donc on est vraiment de belles énergies avec notre licorne qui est ici. Oui, on est dans des énergies de famille, j'ai un voyage en famille. Oui, on voyage, on se déplace. J'ai ce côté mère, la mère, mais ça peut être aussi l'amour, ça peut être ce que vous aimez, mais j'ai vraiment un déplacement en famille. Je parlais de la maman tout à l'heure, et du coup moi j'ai ici le papa, un homme, ou le beau-père, quelqu'un que vous aimez beaucoup, ou la belle-mère, c'est un tirage général encore une fois, donc. Oh, j'ai le dentifrice et la brosse à dents. Ça, c'est bien. Donc là, on nettoie. On nettoie quelque chose. Là, c'est vraiment... on a vraiment la totale. Le dentifrice et la brosse à dents dans le même domaine, c'est les conseils ici. Donc, on pourrait vous conseiller, attention à ce qui sort de votre bouche. Lavez-vous la bouche avant de dire peut-être certains mots qui pourrait blesser. On vous dit aussi de vous laver les dents parce qu'on voit ce que vous avez mangé lundi, mardi, mercredi, jeudi. Non, c'est dégueulasse. C'est dégoûtant. On vous demande quand même de analyser ce que vous pourriez dire, mais on a cette notion de réellement de propreté, mais j'ai aussi cette notion de réserve. C'est comme si on avait des réserves. On ne doit pas se tracasser. On peut utiliser, on en a encore. Utilise ce que tu dois utiliser, parce que ne te tracasse pas, il y en a encore. On a quelqu'un d'heureux ici. Quelqu'un d'heureux. On fait... Alors là, j'ai ce côté jardin, jardinage. Des sorties... En campagne, visiter, alors c'est bizarre, mais j'ai ici si on visitait des jardins, on visite des lieux publics où il y a des fleurs, on a vraiment ces énergies-là. J'ai le lion aussi, le signe du lion. Vous allez devoir aller quelque part, et moi ici, vous devez être bien sur vous. Soyez bien sur vous parce que on peut juger les gens par rapport à leur aspect. Donc, vous devez être bien. On vous conseille vraiment d'être bien ici par rapport à une situation. Oui. Il faudrait que vous choisissiez une tenue. Je pense vraiment que vous devez choisir une tenue. On a aussi des déplacements à pied. Donc, on vous dit peut-être aussi, ben attends, choisis une tenue, parce que d'habitude, tu mets des hauts talons, et là, tu vas devoir beaucoup marcher, donc mets des baskets. Oui. Nous avons de toute façon, encore une fois, un ange gardien ici. Oui.
On est protégé. On est protégé, les amis. Alors, le foyer. Là, il y a un cadeau. Un cadeau. Oh, oui. Il y a un cadeau. Il y a un cadeau de la vie aussi. Donc ici, il y a, on a l'as de denier. Donc, nous avons ici une nouvelle opportunité matérielle et financière. Une opportunité matérielle et financière. On a le serpent. J'ai le scorpion. Le scorpion, le scorpion. Alors, donc, je dis, on a un cadeau. On a un cadeau. J'ai comme si il fallait se méfier de quelqu'un ici, dans la famille. Hein. Ou quelqu'un qui vient chez vous. C'est bizarre, j'ai quelqu'un qui vient chez vous, les amis, et qui pourrait faire, je vais dire ça comme ça, mais jeter un sort. Il y a quelqu'un qui pourrait venir chez vous et mettre, je sais pas moi, du poivre au coin de vos pièces. Essayez de... Ça, il faut faire attention. Oui, oui. Il faut faire attention. Alors, ça ne va pas être pour tout le monde, mais il y a quelqu'un qui vient chez vous. C'est peut-être quelqu'un de la famille, attention. Mais peut-être pas. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui vient dans votre maison, dans votre appartement, là où vous habitez, peu importe où, et qui... Et qui pourrait... essayer de vous... Non, non, pas de vous manipuler, mais de vous... En fait, c'est quelqu'un qui vous jalouse. Vous avez acheté une nouvelle maison, ben, vous allez faire visiter la nouvelle maison, et puis la personne qui va venir visiter votre maison, qui est votre ami ou votre amie, c'est surtout sûrement une femme, mais pas que, hein. Il y a des hommes aussi, enfin... Et cette personne, elle est venue avec son petit sachet de poivre, par exemple. Ses petits sachets de poivre. Et elle va en mettre un petit peu à gauche, à droite, dans les coins, etc. Pour essayer qu'il y ait quelque chose qui n'aille pas, qui ne fonctionne pas. Qu'on n'aille pas au bout de sa construction. Qu'on, voilà. Donc, on va mettre un couvert, un couteau dans votre jardin. Ben voilà, regardez si vous ne voyez pas qu'on vous a lancé un couteau dans votre jardin ou des trucs comme ça, des trucs qui sont bizarres. Parce que j'ai quelqu'un ici qui... Ça a peut-être parlé qu'à une personne, attention, hein, mais j'ai quelqu'un ici, il faut vraiment se méfier. Oui. Alors. On vous demande de vous fier à votre intuition. Vous devez faire des photos. Alors, vous devez faire des photos. Peut-être que vous devez faire des tris. Vous allez déménager, vous devez faire des tris. Et parfois, c'est vieux, mais on doit vraiment s'en débarrasser, mais ça nous fait mal au cœur. Faites une photo. Parce que comme ça, en ayant la photo de l'objet, eh bien, c'est comme si vous l'aviez toujours réellement dans la tête. Ça peut aider à faire le deuil de cet objet qu'on ne saurait pas garder. Donc faites une photo. Oui, vraiment, faites une photo pour votre mental, c'est mieux. On a une protection ici dans le foyer. Hein. On a une protection. On a une adolescente. Ou un adolescent, c'est général. Alors, j'ai... Du travail. Et c'est bizarre parce que c'est le même travail. Bon, il y a des choses qui vont se séparer. Alors, ça me parle, moi, du travail. Mais c'est un travail qui va faire que on va séparer des choses. On va couper des choses. C'est ça, ce travail-là,
consiste à couper quelque chose. Alors, j'ai cette notion, attention, oui, j'ai l'ado ici, la jeune fille en l'occurrence. Peut-être que cette jeune fille pourrait faire un voyage, un déplacement. Peut-être que vous pourriez faire un déplacement en famille, hein, partir en vacances par exemple. Méfiez-vous de. Parce que on pourrait. Soit qu'elle ne mette pas des photos si c'est une toute jeune. Il y a des vieux qui le font, hein. Mais une toute jeune là qui pourrait mettre des photos inappropriées sur des réseaux sociaux. Méfiez-vous parce qu'il y a quelqu'un qui pourrait guetter ça. Il y a quand même cette mauvaise personne. Et je vois comme un déplacement ici avec cette jeune fille. Et je vois comme si on la photographiait ou qu'elle. Et ça pourrait créer des petits soucis pour la jeune fille. Oui. Ou alors c'est quelque caméra cachée. Vous savez, voilà, à l'heure actuelle, on n'est jamais assez prudent. Et j'ai un amour ici, j'ai donc l'amour au foyer, l'amour de la maison. On trouve sa maison, on trouve son. On construit son foyer et on est jalousé. Ça peut être. Si c'est un foyer recomposé, la jalousie peut venir éventuellement de l'ex-mari ou de l'ex-femme. Voilà. C'est possible aussi. Voilà les amis. J'ai ce voyage-là avec une ado. Alors, carrière. Là, nous avons, pour certains, vous n'êtes pas très en forme. Donc, on a une pause carrière. Oui, on a une pause carrière. On a, pourtant, vous avez, j'ai un burn-out. Parce que vous travaillez tout le temps. Et là, on a un burn-out. Donc, par rapport au travail, on est un petit peu stoppé. On vous demande de stopper, on vous demande de lever le pied, hein. Alors, vous n'êtes peut-être pas encore au burn-out, peut-être pas encore, mais vous y arriverez si vous ne levez pas le pied. Vous êtes prévenu, hein. Je crois que vous le savez. Hein. Mais personne n'est irremplaçable. Il y a une rapidité des événements, quelque chose qui va arriver vite. Cette notion de rapidité ou des messages, un message qui va arriver assez vite. J'étais en train de penser à un truc, à l'écriture automatique, et j'ai un petit fantôme ici, bizarre, la carrière. Moi, j'ai une carrière, oui, on pourrait dire qu'on est ici médium, où on est dans cette partie, on veut faire carrière là-dedans, parce que c'est une passion, on est passionné par ça, et on veut faire carrière, et là, vous allez réussir. Oui, vous allez réussir parce que vous êtes vraiment doué. Vous êtes passionné et vous êtes doué. Donc, vous allez sur du long terme dans cette carrière. Ce n'est pas les mêmes carrières. Donc ici, pour certains, vous n'avez vraiment pas envie de travailler. Vraiment pas. Mais pour d'autres, ici, vous allez vraiment évoluer dans une carrière qui va vous passionner, qui va vous permettre même parfois ou tout le temps de travailler de la maison. Donc on a le télétravail, on a ces échanges. On a vraiment un travail qui va être déterminé, qui va être solide. Voilà, c'est vraiment une carrière. On va faire carrière et on a trouvé sa passion. Ça va nous passionner. Alors qu'on soit jeune ou pas jeune, hein, voilà. Mais on va prendre une décision et vous allez voir que vous allez trouver une stabilité
grâce à cet emploi ou à ce deuxième emploi. Là, ça me parle de la fin de l'année. La fin de l'année, pourquoi la fin de l'année? Par rapport à la carrière, la fin de l'année. Il y a peut-être une fête, il y a quelque chose qui va être fêté ou on a peut-être une fin de carrière aussi, une fin de carrière. On a de l'amour. On est vraiment ici dans ce domaine du travail. Très positive, très très positive. Oui, il y a toujours ceux qui ne veulent pas travailler, ça c'est encore autre chose. Mais celui qui veut travailler, il va vraiment trouver son boulot. Et il trouve son boulot. Il fait un burn-out. C'est bizarre, j'ai un truc comme. C'est comme si vous alliez avoir ou vous avez eu une prémonition au travail, quelque chose. Vous avez des ressentis. D'où mon côté occulte qui ressort ici. Vous avez des ressentis, vous avez des visions, vous allez voir des choses avant qu'elles ne se passent. Vous allez peut-être entendre des choses, vous allez penser que ce sont des gens qui se parlent et il n'y a personne. Vous pourriez voir quelqu'un et il n'y a personne. Vous allez vous dire, je deviens fou, je deviens folle, mais non, pas du tout. Il y a une décision qui va être prise par rapport à votre carrière. Vous allez prendre une décision qui va être prise par vous ou par une personne en qui vous avez une confiance absolue. Et vous faites bien d'avoir confiance en cette personne-là. Ça peut être un médecin, ça peut être. Vous travaillez peut-être dans un domaine un peu compliqué où il y a. Parfois, on ne supporte plus de travailler avec des enfants qui ont été maltraités. On a besoin de lever le pied. Ça peut être le cas aussi ici. Mais en tout cas, on a travaillé beaucoup, beaucoup ici. On doit se reposer. Pour certains, vous devez vous reposer ou vous devez changer de branche. Hein. Vous devez changer de branche. Alors, l'amour. Donc là, j'ai un partage en carrière-amour. Donc là, j'ai un partage. On va parler. C'est très agréable. Il y a ce côté agréable de pouvoir échanger avec son mari, avec sa femme. On va échanger, on va parler. C'est quelque chose de très heureux de pouvoir échanger par rapport à ce que l'on a fait la journée, etc. Donc j'ai la croix ici qui nous protège. On va voir, mais normalement elle nous protège. Alors, on est aussi dans la bénédiction. Alors, peu importe la religion, d'accord, on est aussi dans la bénédiction. Donc peut-être que vous voulez vous marier dans votre pays, mais peut-être vous allez avoir envie d'aller vous marier en Italie, parce que. Ça, je sais qu'il faut le faire, mais vous n'avez pas fait votre confirmation, donc vous allez devoir faire votre confirmation pour pouvoir vous marier à l'église en Italie, par exemple. Il y a des démarches. Moi, j'ai des démarches administratives. Oui, j'ai des démarches administratives à faire. Il y a des documents à signer, des documents à remplir. Oui, il y a quand même beaucoup de choses à faire. Alors.
Waouh, on a dans le domaine amoureux, nous avons carrément la consultante. Donc, vous, madame, ou votre madame, deux dames, deux hommes, voilà. Waouh, on a le 6 de bâton, donc on est vraiment dans des énergies, c'est un acte héroïque, mais on est quand même dans le succès, donc on est dans le succès. On est dans le bonheur, on est dans des signatures, alors par rapport à un mariage, mais aussi par rapport à justement à des papiers qu'il faut remplir avant le mariage ou après le mariage, pour que les choses soient claires. On est protégé. On est passionné, on a une passion ici. On a une réconciliation amoureuse, on fait la paix. On a un voyage amoureux, un voyage d'amour, une lune de miel, on discute. Alors on pourrait aussi discuter d'un voyage. Alors on discute de voyage, on discute de papier, donc on pourrait discuter d'un achat, est-ce qu'on achète à l'étranger, est-ce qu'on se fait ce plaisir là, est-ce qu'on achète sa maison? On réfléchit et on y pense et on en parle. Donc si on commence à en parler, c'est que ça pourrait se concrétiser. On a encore la protection ici. On a la protection, l'amour qui nous protège. J'ai cette solidité, j'ai cette solidité, cette vieillesse. Donc ça veut dire que soit vous êtes un couple, ça fait longtemps que vous êtes ensemble. J'ai ici aussi cette notion de on va rester ensemble très longtemps. Voilà. Juste parce que j'ai des phrases, j'ai des. On est en train de me parler, on me dit, attendez, puisque j'oublie, quoi. Je devrais le dire direct. Tu dois dire des choses, tu dois le dire, mais je sais pas, est-ce que tu dois le manger? Tu dois manger quelque chose, on va te donner quelque chose à manger, tu dois le manger. Il y a des petits soucis, qu'est-ce qu'on m'a dit? On va te parler pendant que tu manges, ou il y a un repas de famille, ou pas spécialement de famille, mais un repas. Et il y a des échanges qui vont se faire. Ça sera quelque chose de contrariant, mais il faut lire entre les lignes et comprendre vraiment entre les mots, parce que finalement, ce sera positif. Donc, ah oui, donc on va peut-être dire, on va présenter son fiancé, sa fiancée. Et il va y avoir quelque chose qui ne va pas passer dans une famille ou dans l'autre famille. Mais ça ne sera que passager. La personne. J'ai ici mon petit policier ici qui est dans le domaine amoureux, donc on est quand même ici sur on doit faire régner la loi. Il y a des conflits, des disputes, mais je ne ressens pas du tout ça comme ça, pas du tout, pas du tout. J'ai un autre ressenti, j'ai pas du tout cet aspect de bagarre ou de. Non, ce qui me ressort, ce qui me sort le plus ici, c'est l'aspect protection, d'autant plus qu'avec cette scie qui est un tissage, moi, le tissage, ici, dans ce cas-ci, ça me fait penser au tissage de Mons, vous savez, là, qu'on doit aller frotter sa tête. On est dans ce domaine de protection et moi, mon petit policier, mon petit gendarme,
Il nous protège, il protège notre amour. Moi, je pense qu'on est vraiment dans la protection et voilà. Voilà. Et là, nous avons notre petit œil qui nous protège aussi. Ouais. Donc, on a un amour protégé. Et on a... Ah oui, on parle de... d'un programme. On doit faire un programme. On doit élaborer un programme, on doit faire un plan table, on doit faire un code couleur pour les vêtements, pour cette telle ou telle, pour un mariage, pour une fête de fiançailles. Mais j'ai quelque chose qu'on doit concrétiser, on doit en parler ensemble et on va en parler ensemble. Et ça pourrait concerner un repas où on va en parler autour d'un repas. Et puis on a une signature pour concrétiser le tout. Et ici, ma petite main, je vais changer parce que ma petite main ne récolte pas assez de. Parfois, oui, mais. Alors, j'ai un Napoléon, moi, ici. Ah! C'est bizarre, j'ai comme si on allait visiter des ruines. Donc on va visiter des ruines. Donc ça me parle évidemment de voyage. Voilà. Donc on n'a pas grand-chose ici au milieu, mais on a une visite. Alors j'ai aussi quelque chose de valeur. Donc c'est quelque chose d'ancien qui vaut de l'argent. Donc faites peut-être attention. On a une visite de musée. On a un déplacement de toute façon, un déplacement. On se déplace. Les vacances ou autre, hein, mais on se déplace. Voilà les amis. Bon, allez, je l'ai fait longue. Je vous fais des gros bisous du coup. J'espère que ça vous aura parlé. Et je suis désolée, je suis un peu fatiguée, ça fatigue beaucoup à faire ça, donc. Mais bon, si je ne la faisais pas, je n'aurais pas pu vous poster, donc tant pis. Si elle est un peu longue, vous ne regarderez pas jusque la fin. Si vous êtes toujours là, je vous en remercie. Et sinon, on a quand même de belles énergies dans tous les domaines. Donc voilà, moi je vous fais des gros bisous. N'ai plus rien à dire. Hein. Non, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo et surtout, soyez positifs.